sont encore présents ici sur les Champs-Élysées. Pour l'instant, aucun incident majeur à signaler. 69 personnes ont été interpellées cette nuit à Paris et en Petite Couronne, bien loin des 169 interpellations de dimanche dernier. Ailleurs en France et notamment à Lyon, des débordements ont aussi eu lieu. Des commerces ont été vandalisés et les forces de l'ordre ont fait usage à de nombreuses reprises de gaz lacrymogène. Un hélicoptère a même été appelé en renfort pour survoler la ville. Également